Voilà, le match est bientôt, c'est dans quelques minutes à peine. Ben, je pense que rendu ce qu'on est, là, ton destin repose entre tes propres mains. C'est le commencement de l'accomplissement de mon rêve. J'ai hâte de leur montrer de quoi je suis capable, qu'est-ce que je suis capable de faire. J'espère surtout donner une bonne impression aux promoteurs. Comment tu évalues toi ta performance, chiffre de 1 à 10? Tu te mettrais quoi? De 1 à 10, très 6. J'étais un peu déçu parce qu'il y a certaines choses que je trouve que j'aurais pu faire mieux. La note que je te donnerais, un 3 sur 10. Mais la note que je te donne, avec l'expérience que tu as, avec le bagage que tu as, un 9 sur 10. Tu comprends-tu les deux facettes? Ce qui m'a déçu dans ma performance, je pensais trop à ce que j'allais faire. J'ai pas pris assez le temps de m'amuser, je dirais. Bon, t'as-tu aimé ton match à soir? J'ai adoré mon match. T'as fait une très bonne match à soir. Mais l'IWS, c'est le plus gros niveau de la lutte à Québec. Puis t'es pas prêt encore pour ce niveau. T'es un bon lutteur. Je dis pas que t'es une mauvaise lutteur, mais ça prend plus de pratique. Et ça va venir. OK? Félicitations. Merci beaucoup. Parfait. C'était pas un refus en tant que tel, je trouve. Prendre l'expérience, puis après tu reviendras, c'est exactement ce que je veux faire. Même si ça va pas tout le temps comme qu'on veut que ça aille, toi, tu es là pour passer au travail de ça. Ça veut dire que les gens disent « Non, t'es pas bon. Non, tu l'as pas. » Ou « Non, tu iras jamais loin. » Mais le gouvernail, c'est toi qui le tiens. Parce que c'est toi qui dis « Oui, je vais y aller. Oui, je vais l'avoir. Oui, je vais l'accomplir. » Puis je pense qu'il y a ça, ce gouvernail-là, entre les mains, lui. Lâche pas. Non, lâche surtout pas. T'as un talent à l'état brut. Moi, je pense qu'il peut aller loin. La façon qu'il parle, la façon qu'il parle de son rêve, ça me fait un peu penser à moi quand j'étais plus jeune. Puis je me vois un petit peu dans lui, puis
Même des fois, les affaires qu'il dit, puis ça venait me toucher une corde sensible. Quand j'étais sur le ring, je regardais autour de la foule, et puis dans ma tête, je me suis dit, c'est là que je veux être. J'adore cette place, j'adore cet endroit-là. C'est là que je me vois toute ma vie. Je me vois pas ailleurs. Je me vois vraiment pas faire quelque chose d'autre. C'est là-dedans que je veux être. Si je pouvais, ce match aurait duré l'éternité, si je pouvais.